Bonsoir. C'est un constat, lorsqu'un JDF aborde un aspect très technique de la pratique, les réactions positives sont très nombreuses. Orthophonie, prothèse auditive, podologue, il est clair que ces sujets vous intéressent. Aujourd'hui, la rééducation est au menu. Notre invité est le professeur François Ranou, rhumatologue rééducateur dans le service de rééducation et de réadaptation de l'appareil locomoteur et des pathologies du rachis à l'hôpital Cochin à Paris, la mecque de cette spécialité. Bonsoir François. Bonsoir Jean-François. Alors à mes côtés, le co-présentateur de cette émission, que vous commencez à connaître désormais très bien, le docteur Nicolas Leblanc, médecin de santé publique chez notre partenaire Vive. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Jean-François. Un mot sur le sujet. Bonsoir François Ranou. Oui, bah écoutez, la médecine physique, la médecine de rééducation est passionnante. Elle est essentielle pour les médecins traitants, pour les patients. Mais quelle est la part de prescription dans les consultations de médecine physique? Enfin, de médecine générale en prescription de médecine physique, pour être clair. La plupart, en termes de volume, la prescription principale se fait en médecine générale. Et donc, c'est les généralistes. En sachant qu'en général, on ne leur a pas appris à prescrire. Donc, c'est des prescriptions très succinctes. On considère aujourd'hui qu'il y a à peu près un patient sur 10 en médecine générale qui sort avec une ordonnance de kinésithérapie. Après, en médecine physique, là, on est dans la médecine spécialisée. Et donc là, à ce moment-là, on est plus proche des 100%, puisque c'est plus que la rééducation, c'est vraiment la prise en charge qu'on va appeler non pharmacologique. Alors, deux précisions. J'ai commencé par vous dire quelque chose qui n'est pas tout à fait juste. Je vous ai dit, le dernier jeudi de chaque mois, on est en direct, sauf que là, le dernier jeudi de chaque mois, c'est un jeudi férié. Donc, c'est une semaine plus tôt, comme vous pouvez le constater. Deuxième chose, on parle de rééducation. On a comme invité un spécialiste du rachis et de l'appareil locomoteur. Oui. Or, la rééducation, c'est pas que ça. Et il faudra dire un mot sur tout ce qui est neuro. Parce que c'est très différent ou c'est quand même les mêmes bases ? Non, c'est les mêmes bases. La même démarche, quoi. C'est la même démarche, sauf que la lésion n'est pas la même. Et on va pouvoir, bien évidemment, il y a l'appareil locomoteur qui est essentiellement exercé en ville, en fait. La neuro étant exercée plutôt à l'hôpital, parce qu'il faut des structures plus lourdes, mais il y a aussi de la rééducation pour l'appareil cardio-pulmonaire, par exemple. Il y a des rééducateurs qui vont s'occuper uniquement de la peau. Il y a des rééducateurs en psychiatrie, il y a des rééducateurs infantiles. Vous voyez, mais 80%, c'est de la neuro et de l'appareil locomoteur. Alors d'ailleurs, quand on parle de cardio, de pulmonaire, ils disent plutôt réhabilitation. Donc on va préciser tout ça dans un instant. Quand on vous demande quel est votre métier, vous parlez aussi de médecine physique. Et j'avoue que pour nous, médecins, c'est un concept un peu flou. Alors vous êtes rhumatologue ou spécialiste de médecine physique ? Oui, alors ça, c'est des histoires, je dirais, réglementaires. Moi, j'ai fait un cursus de rhumatologie, je suis interne de Paris en rhumatologie, et c'est la qualification ordinale. J'ai gardé ma qualification de rhumatologue et on m'a rajouté la qualification de MPR. Mais vous pouvez aussi d'emblée, dès l'internat, faire un internat de MPR. Il y a vraiment deux profils. Il y a des neurologues qui deviennent MPR, des cardiologues qui deviennent MPR, des pédiatres qui deviennent MPR, des rhumatologues, des neuros qui deviennent MPR. Et puis, il y a des MPR qui sont d'emblée MPR. MPR, médecine physique et réadaptation. Et réadaptation, excusez-moi. Et alors, le périmètre de la médecine physique, c'est quoi? Est-ce que les centres antidouleurs, c'est de la médecine physique? Est-ce que les centres de prise en charge du pied diabétique, c'est de la médecine physique? Est-ce que les centres de médecine du sport, c'est de la médecine physique? Quel est exactement ce périmètre? Ça, ce serait l'idéal, en tout cas. Et je pense que, je pense notamment au centre antidouleur, c'est clair que s'il n'y a que des anesthésistes, tout ce qui est la part, je dirais, lésionnelle de la douleur est totalement abandonnée. Donc, nous sommes des médecins pas d'organes, mais de plusieurs organes. Et donc, dans toutes ces prises en charge, je pense à la douleur, je pense à la médecine du sport aussi, il est clair que le cœur, du médecin de la spécialité, c'est plutôt la MPR. Néanmoins, on est très peu. Donc, vous êtes combien ? On est 2200, comme les rhumatologues à peu près, même un peu plus. Pourquoi cette spécialité souffre-t-elle de recrutement ? Parce qu'elle n'est pas simple ? Parce qu'elle est fatigante ? Détrompez-vous. Aujourd'hui, par exemple, on a beaucoup plus d'internes en MPR qu'en rhumatologie. C'est au contraire une spécialité aujourd'hui, c'est la spécialité, une des spécialités où il y a la croissance la plus importante. Pourquoi ? Probablement parce qu'on a une vision, on a une vision qui va de la lésion jusqu'au social et ça interpelle les étudiants en médecine et les étudiants en médecine
en général, sont assez friandes de ce genre de choses et pas être uniquement focalisées sur un organe. Vous avez la même féminisation que la médecine, parce que c'est un métier fatigant? Oui, oui, on a la même féminisation, c'est clair. Alors, bah, je vous le dis, dans mon service, je suis le seul homme. Je suis chef de service, je suis le seul homme. Peut-être, mes assistantes sont des femmes, les chefs de clinique. Alors là, sur quatre, j'ai un homme quand même. Ouais, peut-être parce que ma question est mal posée. Oui. J'aurais pu vous dire, vous vous contentez de prescrire, vous ne vous faites pas, vous faites faire les autres. Donc c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de problème. Voilà, alors c'est la grosse différence, par exemple, avec les rhumatologues, les neurologues ou les médecins généralistes. C'est, en tout cas, dans un système hospitalier, c'est qu'on prescrit. Mais la prescription donc, de la rééducation se fait dans le service. Et moi, dans mon service, il y a 30 kinésithérapeutes, il y a 4 ergothérapeutes, il y a un podologue. Et donc, on a toute une activité de consultation, d'hospitalisation, mais également sur le plateau technique avec les rééducateurs. Donc, on comprend que le chef d'équipe... Voilà. On comprend que le chef d'équipe, c'est vous, oui. De toute cette équipe. Mais là, vous parlez, excusez-moi, de l'hôpital, mais un jour, le malade sort. Et le chef d'équipe, ça reste vous ou c'est le médecin traitant? C'est le gros problème. C'est que déjà, il y a peu de MPR installés en ville. La plupart des médecins de rééducation sont plutôt dans des centres. Okay. Il y en a très peu qui sont installés en ville. En général, ce sont plutôt des médecins de rééducation qui font de la rééducation ostéo-articulaire. Et de plus en plus... En libéral, ils montent des structures et des plateaux techniques avec un kinésithérapeute, un médecin du sport, un enseignant en activité physique adaptée, un ergothérapeute. Donc on va de plus en plus vers cette prise en charge. Alors, le terme, j'ai horreur de ce terme, holistique, là, j'aime pas du tout ce terme. Oui, surtout qu'il n'y a que vous qui le comprenez. Exactement, personne ne le comprend, c'est très utile. Bon, enfin, passons. Par des gens que j'apprécie pas particulièrement, qui jouent souvent au docteur. Mais en tout cas, c'est une prise en charge, en tout cas globale, qui aujourd'hui est en train de s'implémenter en ville. Et alors, pour votre métier, il y a différentes appellations. On parle de rééducation, de réadaptation, revalidation, réhabilitation. Oui. Qu'est-ce qui se cache derrière toute cette médecine des 4 R, je ne sais pas, des 5 R ou des 6 R? Très bonne question. C'est comme les huîtres. Hein. La réadaptation, ça se prend que les mois en air. Alors, tout d'abord, réhabilitation. Le terme réhabilitation, et c'est amusant puisqu'on vient d'avoir la réponse de l'Académie française, notre spécialité avait interpellé, réhabilitation n'est pas un mot français, sauf si c'est la réhabilitation judiciaire, quand on est réhabilité. Et par contre, la réhabilitation, le terme anglo-saxon, ça veut dire réadaptation. Okay. Donc déjà, utiliser réhabilitation... On le supprime un R. Il faut le supprimer, c'est réadaptation. D'accord. Et en fait, on va de la rééducation jusqu'à la réadaptation. La rééducation, on est très près de la lésion du médicament, puis après, il y a toute la rééducation. Et la réadaptation, on est très loin, beaucoup plus loin de la médecine, et on est près du social. C'est rentrer chez soi, faire son travail, retourner sur son lieu de travail. Et donc, vous considérez que la réadaptation est essentielle dans votre métier? Est centré sur la rééducation? Oui, parce que le but quand même, notamment en neuro et appareil locomoteur, c'est que les gens puissent reprendre leur vie. C'est-à-dire retourner aujourd'hui au travail, dans leur famille. Et on en a un exemple actuellement. Vous avez oublié un R, la revalidation, ça fait partie donc. Jamais utilisé. Ok. Ça concerne. Vous faites une différence entre les séquelles majeures sans récupération possible. Oui. C'est aussi une autre. Ah oui, à la base du concept de la rééducation, de la réadaptation. Heureusement, 90% des maladies, on a une restitution ad intégrum. Quand on a une angine, heureusement, on prend un antibiotique et tout revient dans l'ordre. Il y a plein de maladies comme ça. Soit parce qu'on prend un médicament, soit parce que c'est l'histoire naturelle de la maladie. Et puis, il y a les maladies où, justement, on ne revient pas à son état initial. Et c'est là que la rééducation, au-delà des traitements, une fois que les traitements pharmacologiques ont été délivrés et qu'on considère qu'on est au maximum de l'amélioration possible, c'est là que la rééducation entre en jeu. Néanmoins, aujourd'hui, de plus en plus, la rééducation commence dès le premier jour de la maladie. Et ça, c'est une totale nouveauté. La pose de prothèse aujourd'hui, le patient sort du bloc, il vient dans notre service, on le rééduque, il est encore endormi, on lui rééduque déjà le genou, vous voyez. Les accidents vasculaires cérébraux aujourd'hui, vous avez des stroke centers où il reste 24 heures, 48 heures, et il passe directement dans une unité de MPR et qui fait de la MPR aiguë. C'est d'ailleurs du MCO, c'est pas du SSR.
Alors, le MCO, c'est-à-dire c'est la codification de l'activité hospitalière, c'est la codification de toute la médecine. D'accord. Et puis on a le SSR. Le SSR, qui est beaucoup moins valorisé, c'est la gériatrie, c'est la rééducation où on reste 2 mois dans un lit, c'est toutes ces structures-là. Eh bien, maintenant, vous avez, avant la MPR, était surtout du SSR, et maintenant, de plus en plus, vous avez des lits de MCO. Votre directeur d'hôpital va vous pousser à remplir ces lits. Bien sûr, bien sûr. Mais là, vous êtes d'accord avec lui ou... Oui, ah bon, je suis d'accord avec lui. Ouais. Et en chirurgie, c'est ce qu'on appelle la RAC, d'accord. Réhabilitation accélérée après chirurgie. D'accord. D'accord. Donc vous êtes en train de dire que la MPR devient une spécialité de court séjour de plus en plus ? Oui, de plus en plus, et vraiment un intermédiaire entre les dispositifs très aigus, qui peuvent être la réa neuro, le bloc opératoire, et puis après le retour, soit à domicile, soit dans un centre de rééducation et de réadaptation, s'il n'y a pas de possibilité de rentrer chez soi immédiatement. Alors, la réadaptation, c'est aussi la question des orthèses, des prothèses, des aides techniques en tout genre. Quelle est la place des ergothérapeutes dans votre collaboration ? C'est dès le départ, elle est centrale ? Alors, elle est centrale. Elle est centrale. Et moi, je me bats pour ça. Le gros problème, si vous voulez, de l'ergothérapie, c'est qu'il n'y en a pas en ville, ou quasiment pas. C'est la grosse différence avec les kinésithérapeutes. Donc, l'ergothérapie est une spécialité, entre guillemets, de rééducation uniquement hospitalière. Ce qui a beaucoup d'avantages, parce que ça veut dire que les gens qui sont là, les ergothérapeutes qui sont là, je peux vous dire qu'ils sont motivés et qu'ils ont, je dirais, une véritable... Cette émission ne véritable attrait pour cette émission n'intéresse pas que le monde hospitalier. On a un débat tout à l'heure, on aura une ergothérapeute. Voilà. On essaiera de préciser exactement tout ça. Vous m'avez dit en préparant l'émission que vous voulez parler de qualité de vie, que vous êtes favorable au concept de Wood. Oui, en fait, c'est ce qu'on a appelé le modèle de Wood. C'est ce sur quoi on se base aujourd'hui, même si depuis, il y a eu un autre modèle qui s'appelle la CIF. Mais le Wood, c'est-à-dire qu'on a d'abord la lésion. Donc, la lésion, c'est la maladie, en fait. Après, on a la fonction. Est-ce que la fonction est altérée ou pas? Ce qu'on appelle l'incapacité fonctionnelle. Et puis après, on va avoir le handicap, la qualité de vie étant un espèce de fourre-tout où on met les trois à la fois. Et donc, si vous voulez, la déficience, c'est essentiellement le médecin d'organes qui va s'en occuper. Ensuite, la fonction, c'est le cœur du métier des rééducateurs. Et ensuite, tout ce qui est qualité de vie, etc., on est plus dans de la réadaptation. Et là, on arrive à quoi ? On arrive à la politique de la ville, on arrive à l'assistante sociale, on arrive... vous voyez ? Et donc, ce modèle est assez simple, justement, pour expliquer que... Il n'y a pas que le nom de la maladie et le fait qu'il nous manque quelque chose. Il y a aussi tout le reste, c'est comment on fait... J'ai le temps de donner un exemple ? Bien sûr. Je donne toujours cet exemple à mes internes et à mes externes pour qu'ils comprennent. Si vous vous coupez le doigt, que vous êtes... prenez deux personnes. Il y en a un qui est chasseur en steppe en Russie et l'autre qui est un patron du CAC 40. Vous voyez qu'ils ont la même déficience, ils ont perdu leur doigt. Ils vont être... Quand ils vont aller à la chasse, ils vont être probablement moins efficients également. D'un point de vue fonctionnel, ils vont peut-être abattre moins d'animaux. Sauf que le handicap ne va pas du tout être le même. Le chasseur du CAC 40, pour lui, bah, il ira moins à la chasse. Celui, le chasseur-cueilleur qui est en steppe en Russie, va mourir de faim. Donc vous voyez qu'avec une même lésion, on peut avoir un handicap. C'est comme avoir une capsulite quand on est le premier mondial en tennis et quand on a 90 ans. On a la même lésion, oui, mais on n'a pas du tout le même handicap. Vous nous dites finalement que le handicap, c'est un rapport à son environnement. Exactement, et l'ergothérapeute, c'est le rééducateur de l'environnement. Et donc votre métier, c'est de la rééducation, de la réadaptation, mais aussi de la réinsertion. Oui, exactement. Alors on l'utilise. Comment vous y prenez dans... Alors la réinsertion, elle est liée... Pour réinsérer quelqu'un, c'est lié à la fois à nous, avec notre structure, avec l'assistante sociale, et puis bien évidemment à la structure dans laquelle le patient vivait avant et va retourner. Donc ça, c'est là que je disais, ça va dépendre de la politique de la ville, c'est l'accès à avoir les repas à domicile, c'est l'accès au cinéma pour les handicapés, etc. Vous voyez, c'est ça. Ça fonctionne bien à votre avis ? C'est quoi votre Moi, votre je trouve quand même, aujourd'hui. Je trouve, c'est pas parfait, bien évidemment, c'est pas parfait. Mais en France, on a quand même une politique sociale vis-à-vis du handicap qui est quand même, pour la connaître dans d'autres pays, hein, notamment aux États-Unis.
bien meilleure. Je ne suis pas sûr qu'elle soit meilleure, mais en tout cas, d'un point de vue financier, ça n'a rien à voir. Il y a quand même beaucoup moins de problèmes financiers, parce qu'il y a une partie, qui est, une bonne partie, qui est prise en charge, heureuse par la communauté. Votre discipline est très vivante, hein, vous en donnez la preuve aujourd'hui. Est-ce que vous avez l'impression que, du côté des patients, ils ont changé leur rapport à la maladie et leur façon de se soigner grâce à ces approches? Ou la conscience n'est pas encore prise? Si, je pense. Alors, moi, je suis toujours très prudent. Je ne veux pas opposer les deux. Je ne veux pas opposer le traitement pharmacologique et la rééducation. L'un n'exclut pas l'autre, surtout pas. Il faut pas. Alors, c'est sûr, il y a une grande appétence des patients pour le non-pharmacologique. Ils adorent ça. Moins on leur donne de médicaments, plus on leur fait du non-pharmaco. Donc, il faut être aussi prudent. Et je le dis, mais très sérieusement, c'est clair que beaucoup plus que le pharmacologique, le non-pharmacologique est parfois pas très loin d'être contaminé par de la fake médecine et de la fake science. Donc il faut être très prudent, très très prudent dans ce domaine. Il y a beaucoup de charlatans et de… Donc un service de MPR prend tout type de lésions en charge. Pour vous, dans votre service, est-ce que vous êtes plus spécialisé ou… Oui, nous on fait uniquement l'appareil locomoteur. Ouais. Donc, en gros, c'est le rachis cervical, le rachis lombaire. On fait également tout ce qui est articulaire périphérique. On prend en charge essentiellement de la polyarthrose, mais aussi des spondylarthrites et des polyarthrites, beaucoup moins qu'avant. Le profil d'âge de vos patients, c'est… Alors, on a vraiment deux pics. On a des patients qui ont plutôt entre 60 et 70, qui ont des problèmes de genoux, problèmes de hanches, pas loin de la prothèse. Et puis on va avoir au contraire une population plutôt jeune, très active, entre 30 et 40 ans, où là on est plus proche de la médecine du sport, avec des gens qui ont besoin de continuer à avoir des niveaux d'activité relativement élevés et qu'on essaye de… Est-ce que vous avez tout à l'heure comparé avec le médicament? Est-ce qu'il y a une phase de tâtonnement quand on instaure un traitement chez vous? Oui, il est beaucoup plus important que dans le traitement pharmaco. Ah, le tâtonnement, moi je dis souvent ça à mes étudiants, pour que la rééducation marche, il faut qu'il y ait un biofeedback positif. C'est-à-dire qu'il faut que le patient sente que ce qu'il va faire, ça va l'améliorer. Or ça, vous prenez un médicament, vous avez de la fièvre, deux heures après, vous n'avez plus de fièvre. Ouais. Donc le biofeedback, il est très rapide. Et donc, le patient, il se dit, bon, ça marche. Vous avez mal au dos, on vous dit bon, vous allez faire de la rééducation, ça va durer 5 semaines, puis après vous ferez ça une fois par semaine. Je peux vous dire que la première séance, si on n'était pas là à les forcer entre guillemets, les patients nous diraient attendez, moi je pars, c'est encore pire qu'avant. J'ai même compris que les praticiens modernes comme vous les renvoient au boulot en disant oui, ben, c'est, en tout cas on leur… En gros, le principe, et ça c'est chez le douloureux chronique, hein, souvent, c'est pas que dans le dos, c'est de leur dire, quitte à avoir mal, autant avoir, et on revient au Wood, avoir une fonction correcte. On peut avoir la même douleur, mais avec une fonction bien meilleure, et donc peut-être que vous aurez toujours aussi mal, mais vous ferez beaucoup plus de choses, et donc votre qualité de vie sera bien meilleure. Il y a des protocoles préétablis, très précis dans votre discipline. Oui. Et nous, on est vraiment, on a initié ça. C'est pas moi, hein, c'est mes patrons. Il y a une trentaine d'années, mais on a des groupes de prise en charge en fonction de l'organe de l'articulation qui est touché. Alors on a des groupes pour les gens qui ont des douleurs cervicales chroniques, on en a d'autres pour des rachis lombaires douloureux chroniques, pour l'épaule qui aujourd'hui devient de plus en plus important, la pathologie chronique d'épaule, et donc on les prend en charge à la fois sur la lésion, mais également d'un point de vue plus fonctionnel, plus pragmatique, sur améliorer leur possibilité de faire tout un tas de choses dans la vie de tous les jours et reprendre leur vie. Vous nous l'avez dit, la rééducation, c'est le plus tôt possible, hein, maintenant, si j'ai bien compris. Oui, de plus en plus, oui. Mais quelle est la durée moyenne de séjour dans votre service chez les gens? Moi, ma durée moyenne de séjour, je suis en MCO, hein, c'est 4 jours et demi. Et donc, ça veut dire quoi? C'est qu'après, on oriente. On est aussi une base. On va orienter les patients. On va les orienter. Mais à l'hôpital, vous ne vous occupez que du MCO? Vous ne faites pas la suite du parcours? On fait… C'est un autre service qui fait… Alors, c'est pas vrai. On a du SSR, mais en hôpital de jour. Et donc, très souvent, nous, les patients idéaux, entre guillemets, pour nous, c'est des patients chez qui on pense qu'il y a un retour à domicile rapide qui est possible en passant par une structure qui va avoir de la rééducation aiguë. Donc, ils restent une semaine en moyenne. Et après, ils rentrent chez eux avec un relais, soit par des rééducateurs en ville, soit chez nous, en hôpital de jour. En gros, c'est ça le schéma. C'est un schéma assez novateur. Hein.
C'est absolument pas représentatif. En euros, c'est pas possible de faire ça, bien évidemment. Vous faites un accident vasculaire cérébral, c'est pas au bout de 5 jours qu'on vous dit rentrez chez vous, puis venez nous voir de temps en temps à l'hôpital de jour. C'est pas possible. Donc, mais dans l'appareil locomoteur, c'est faisable. Ce que vous nous dites, c'est que les services classiques de SSR dans certains appareils, notamment le locomoteur, vont être amenés à évoluer, à aller du moyen vers le court séjour. Moi, je pense qu'ils vont. Non, ils garderont. Il faut garder le côté SSR, qui est fondamental, notamment dans la prise en charge de groupe. Et puis, par contre, il faut, je pense, qu'il faut allier les deux. Il faut pas séparer l'organe de la rééducation et de la réadaptation. Il faut que les deux soient ensemble. Et l'idéal, je trouve, hein, mais là, c'est de la politique, hein, de santé, je pense, sous une ombrelle commune. Opposer les deux. Souvent, on oppose, on dit le SSR, c'est... Allez, hop, on nous avez signalé que vous êtes interne de Paris, ce qui prouve que vous êtes extrêmement brillant. à la différence, peut-être, Nicolas, vous êtes interne de Paris ? Non. Ni moi, donc vous imaginez comment on vous regarde avec... Mais est-ce que vous avez la compétence de toutes les disciplines ? Vous êtes ensemblier, mais bon... Moi, je serais bien incapable de faire de la rééducation, par exemple, cardio-pulmonaire. Non, je parlais dans votre domaine, l'ergothérapie, toutes ces choses-là qui vont... Alors, le gros avantage, c'est que... dans nos structures, on a des cadres, et je veux leur rendre hommage parce que souvent ils sont de plus en plus, je dirais, pas décriés, mais en tout cas ils sont peu soutenus par les administrations. Et on a des cadres de proximité qui sont soit des ergothérapeutes, en général des ergothérapeutes ou des kinés, et qui eux ont une vraie fonction d'encadrement, mais pas des cadres qui sont hors sol dans l'administration. Ils sont sur le terrain et donc ils nous aident bien évidemment à coordonner les soins. Et moi, je ne suis pas là à aller leur dire ce que fait l'ergothérapeute. Moi, j'en serais bien incapable. Chacun son métier. Vous allez être très bien entouré tout à l'heure, puisqu'effectivement, on a demandé à ces cadres de participer au débat. Exactement. On n'a pas parlé d'argent. Vous avez les moyens de faire une bonne médecine physique ? Moi, je trouve que oui, aujourd'hui. Notre seul gros problème, je vais vous le dire, c'est... mais ça, c'est un problème à l'hôpital en général, c'est qu'on a beaucoup de mal à fidéliser les personnels de rééducation et surtout les kinésithérapeutes. Pourquoi ? Parce que c'est comme les chirurgiens orthopédistes, si vous voulez, le hiatus entre ce qu'ils sont payés à l'hôpital et ouvrir un cabinet en ville, il est énorme. Et donc, mais nous, on a trouvé une parade, entre guillemets, on prend... de plus en plus de jeunes qui sortent d'école. Alors, je pense aux kinésithérapeutes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ils ont une formation de haut niveau, voire de très haut niveau. Ils sont très motivés. Ce n'est pas l'image qu'on avait du kinésithérapeute d'il y a 30 ou 40 ans. Et donc, on les prend. Ils restent quelques années. Ils apprennent bien l'appareil locomoteur. Et après, souvent, ils vont s'installer et on tourne comme ça. – Je noterai que vous entendez bien avec votre directeur d'hôpital, donc c'est pas toujours le cas de mes invités, mais on va le saluer. Alors, on parle évidemment que de rééducation dans votre domaine, mais on a voulu associer une autre pathologie très concernée, la neurologie. C'est un reportage de Thierry Borsa. – L'accueil dans nos services de médecine physique et réadaptation se fait en général 8 à 10 jours après l'accident vasculaire cérébral. Il est important de prendre en charge très rapidement les patients, afin de mettre en route très rapidement ce qu'on appelle la plasticité cérébrale, la reprogrammation sensorimotrice et neuromotrice. Un bilan précis des déficiences et des incapacités est effectué, c'est-à-dire qu'on évalue très précisément les déficiences sensitives, motrices, sensorielles, cognitives, un bilan des praxies, des troubles de la déglutition, des troubles visuels. On évalue également les troubles du tonus. Très rapidement, s'il y a des troubles du tonus avec ce qu'on appelle de l'hypertonie spastique, cela entraîne des rétractions musculo-tendineuses et cela va impacter très rapidement sur les possibilités motrices du patient. Une fois que le bilan a été effectué, nous proposons au patient des objectifs de rééducation auxquels il doit consentir, ainsi que sa famille. On essaye de leur proposer des objectifs parfaitement réalisables. Et c'est ça, du fait de notre expérience, nous connaissons un petit peu ce à quoi on peut s'attendre. Par exemple, très tôt, on pourra dire qu'un patient pourra marcher ou
on est plutôt sur notre réserve en disant qu'il va falloir quelques mois ou quelques semaines pour pouvoir donner un pronostic précis. Le médecin donne les objectifs de rééducation, prescrit la rééducation, mais tout au long de la phase de rééducation dans notre service, il y a une interaction, une collaboration étroite avec les rééducateurs, puisqu'ils voient les patients tous les jours, ils les voient travailler pendant des séances de trois quarts d'heure, une heure, ce que nous ne voyons pas forcément, nous, les médecins. Les premiers messages qu'on donne souvent aux rééducateurs, c'est que ce patient va demander une rééducation plus ou moins longue dans le temps, plus ou moins intense, et va intéresser un ou certains pôles de la rééducation, que ce soit plus de l'orthophonie, un bilan neuropsychologique ou plus de la kinésithérapie, l'activité physique adaptée par exemple, ou plus de l'ergothérapie, l'ergothérapeute qui est utile pour évaluer l'autonomie du patient, mettre les patients en situation de vie quotidienne, travailler sur l'orientation temporo-spatiale. Les patients sont revus au moins une fois par semaine et souvent aussi avec les rééducateurs pour évaluer leur progrès dans le temps en fonction des bilans qui ont été effectués et ce qu'ils font réellement en séance de rééducation. Quels sont leurs progrès, surtout sur le plan fonctionnel. Est-ce que maintenant, par exemple, le patient peut marcher avec une canne béquille, ou peut marcher avec une canne simple, ou au tout début peut marcher entre les barres parallèles. On effectue également une synthèse multidisciplinaire avec chaque rééducateur pour un patient donné, et plusieurs patients sont vus en synthèse chaque semaine. Bon, j'ai vu le sourire satisfait du professeur Ranou. Vous dites, c'est parfait, c'est tout ce que dit votre consoeur. Oui, moi je... Bon, je dirais pas mieux. Hein. Bon, on va pas dire mieux. C'est quand même une des grandes spécialistes de l'AMPR neurologique. Je retiens, vous devez à votre malade des objectifs consentis mais réalisables. Oui. Pas de commentaire. Ok. La famille. Non, si, un commentaire quand même, c'est que par rapport au traitement pharmacologique, donner un médicament, vous avez vu que là, le domaine d'acceptation du traitement, c'est le patient, la famille, l'interaction entre la famille et le soignant, l'interaction entre le patient et le soignant, l'interaction entre le soignant et la famille. C'est beaucoup plus complexe, donc c'est sûr que c'est un mode d'exercice qui est très différent de simplement prescrire un médicament. Et donc la famille, vous l'intégrez dès le départ dans le processus de soins? En tout cas, en MPR neurologique, c'est indispensable. Et en appareil locomoteur? Beaucoup moins. Ce qu'on intègre, nous, tout de suite, c'est plutôt l'activité professionnelle dans l'appareil locomoteur. Alors que dans la MPR neurologique, c'est beaucoup plus, justement, c'est la famille, et notamment les aidants, parce qu'il va y avoir, on va avoir besoin de l'entourage, et il faut que l'entourage comprenne ce qui se passe. Et vous, à cet entourage, pour qu'ils comprennent, vous faites des pronostics de récupération? Bien sûr, pas rapidement. Mais il y a des signes cliniques dans les premiers jours qui sont quand même des marqueurs d'évolution. Si vous êtes dans le coma pendant plusieurs semaines, c'est sûr que le pronostic est moins bon que si vous n'êtes pas tombé dans le coma lors de votre accident vasculaire. C'est clair. Si vous avez des troubles de la compréhension, c'est sûr que ça va être compliqué de vous rééduquer puisque vous n'allez rien comprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, troisième partie de cette émission passionnante, le malade va sortir de l'hôpital. Comment vous passez la main au médecin de ville? Alors, pour ce qui est de l'appareil locomoteur, c'est assez simple hein, parce que, en général, le médecin de ville et le rééducateur, qui est essentiellement le kinésithérapeute, c'est un couple qui fonctionne. Par contre, en neurologie, et on en a parlé tout à l'heure, c'est beaucoup plus compliqué. Il n'y a pas d'ergothérapeute en ville. Des orthophonistes, il y en a peu. Il y en a, bien évidemment, mais il y en a peu. Et en général, en neuro, ils ont besoin du kiné, de l'ergo, de l'orthophoniste. Donc, on s'oriente beaucoup plus vers une structure plutôt d'hôpital de jour, où là, il va venir toutes les semaines. Ce qui n'empêche pas qu'il pourra avoir
de la kinésithérapie par un kinésithérapeute en ville entre eux. Alors, deux choses quand même. La première, c'est qu'on a fait une émission précédemment avec vous, on avait posé la question, estimez-vous avoir des connaissances suffisantes pour rédiger une ordonnance de rééducation adaptée? Et les réponses avaient été étonnantes. Vous, qui nous regardez, vous avez dit que vous n'étiez pas forcément compétent sur ce sujet-là. Mais je ne voudrais pas qu'on pense qu'il faut absolument, pour avoir une rééducation, être passé par l'hôpital. Je suppose qu'il y a des médecins qui peuvent déjà, des médecins traitants, qui peuvent déjà prescrire des protocoles. – Bien sûr. Comment ils font, eux ?– Bien sûr, tous les patients qui ont besoin de rééducation ne doivent pas obligatoirement passer à l'hôpital. Mais là, on parle des cas les plus emblématiques, l'accident vasculaire. – D'accord, mais pour ce qui est de la rééducation prescrite tous les jours… – Il y a de plus en plus, aujourd'hui, c'est clair, il y a de plus en plus de réseaux avec le médecin généraliste et des rééducateurs donc, en ville, essentiellement les kinés, qui sont mis en place. – Vous avez parlé beaucoup de protocoles préétablis, est-ce que ces protocoles sont diffusés à la médecine de ville ?– Alors, c'est une bonne question. C'est une chose que nous faisons, nous, régulièrement, c'est-à-dire qu'on a des kinésithérapeutes… – Vous, les cochinois, c'est-à-dire… – Voilà, oui, c'est ça, mais le but, c'est justement d'essayer d'implémenter ça et d'avoir… Et donc, aujourd'hui, on travaille beaucoup, notamment avec la CNAM, là-dessus, pour essayer d'avoir des prises en charge multidisciplinaires qui soient possibles également en ville et qui soient de qualité et qui soient contrôlées. On en fait une en ce moment, par exemple sur les problèmes lombaires, les lombalgies chroniques, avec l'intervention du kinésithérapeute, de la psychologue, mais sans passer par l'hôpital, uniquement. – Et vous les revoyez à quel rythme ces malades ?– Alors, ces malades, c'est sûr que le bilan initial est fondamental. Et ça, il faut un bilan médical, bien évidemment. Et puis après, il y aura un bilan par les rééducateurs. Et après, ces patients-là, on les voit par tous les deux mois, deux, trois mois, en sachant qu'il y a des indices forts, quand même, d'avancée du traitement. Hein. Reprise de des activités, non-reprise, possibilité de se déplacer seul. – Qui est-ce qui organise le retour à domicile, qui est une étape cruciale, en fait ? C'est les médecins, c'est les paramédicaux de vos services, c'est le médecin traitant qui s'investit ?– Le paramédical, qui est quand même très important, c'est l'ergothérapeute, puisque c'est l'ergothérapeute qui s'occupe notamment de l'environnement. Donc c'est lui qui va aller, par exemple, visiter le lieu d'habitation pour voir si le patient peut rentrer chez lui. Ça, c'est typiquement un boulot d'ergothérapeute. C'est en pratique, ça ? En pratique, là, on l'a vu dans le reportage tout à l'heure, bien évidemment, les ergothérapeutes, dans les structures de MPR neurologiques, se déplacent au domicile. Mais vous voyez qu'en ville, par exemple, c'est pas possible de le faire. Néanmoins, c'est rare que vous soyez en ville avec un accident vasculaire qui nécessite ce genre de prise en charge sans être passé à l'hôpital. Donc, Ce qui est frappant dans vos explications, c'est qu'il y a une pléiade de professionnels de santé très différents qui interviennent, les orthophonistes, les ergothérapeutes, les kinés, les médecins traitants, les médecins de MPR, les médecins d'organes. Il faut maîtriser la connaissance de plein de disciplines pour pouvoir travailler en MPR et pour pouvoir avoir des prises en charge de qualité. Oui. Et c'est pour ça que, même si ça ne plaît pas à tout le monde, c'est clair que le médecin de MPR est le plus à même d'être le chef d'orchestre de toute cette prise en charge. Ça, c'est clair. Mais sauf qu'il n'y en a pas assez. Donc, après, il faut être pragmatique. Il n'y en a pas assez. Donc, il faut s'appuyer sur le médecin généraliste parfois le rhumatologue en ville, le neurologue. Il faudrait peut-être des médecins de MPR en ville, avec le développement des maladies chroniques et des séquelles qui vont se développer. C'est bien une des perspectives aujourd'hui sur lesquelles vous avez des revendications, si j'ose dire. C'est pas des revendications. C'est puisqu'on a suffisamment de travail, on a trop de travail. Mais c'est clair que je pense que des médecins MPR doivent être impliqués dans le parcours des patients, pas uniquement à l'hôpital, mais également en ville. Mais pour moi, il faut un couple. Il faut un médecin et un kiné, ou un médecin et une assistante sociale, ou un médecin et une ergothérapeute. Il faut un couple, avoir ces deux visions. Et quand les séquelles et les altérations de fonction sont fixées, vous appelez ça du handicap en fonction de l'environnement, est-ce que c'est facile à reconnaître? Les démarches sont lesquelles pour faire reconnaître administrativement ou médico-administrativement un handicap? Alors, d'abord, qui s'occupe de ça? C'est le médecin référent et l'assistante sociale, mais avec l'aide du médecin de MPR. Et heureusement, en France, vous savez qu'on a une politique du handicap, donc on a les statuts d'adultes handicapés, on a la maison du handicap, on a donc des structures qui vont être là pour essayer à la fois d'amener une aide, mais une aide technique, et puis une aide financière.
Les deux. Et ça, c'est fait Et le médecin traitant, il a quel rôle dans cette démarche médicale administrative? C'est souvent lui qui doit faire les démarches, puisque c'est le médecin référent. Alors, exceptionnellement, cette émission n'est pas en direct, mais nos plus fidèles internautes nous ont proposé un certain nombre de questions. On commence par la première. De quel type de technologie innovante disposez-vous? Est-on en passe d'arriver dans l'ère de l'homme bio-ionique? C'est une très bonne question. Alors, pour la neurologie, j'aurais un petit peu de mal à répondre, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a eu, notamment cette année, il y a eu des publications spectaculaires, notamment par des Suisses, où on a vu des tétraplégiques qui étaient capables de remarcher. Le principe dans ces cas-là, et on a, dans l'appareil locomoteur, c'est souvent ça, c'est le principe de, c'est ce qu'on appelle les exosquelettes. En fait, c'est une espèce de système suffisamment rigide, mais aussi intelligent et souple, pour pouvoir suppléer les fonctions osseuses, musculaires, articulaires. Est-ce que, alors une autre question, le mot rémission fait-il partie du vocabulaire de votre spécialité? Ah, c'est une très bonne question. Parce que qui dit rémission veut dire que on va probablement avoir de nouveau une récurrence. Dans l'appareil locomoteur, oui. En neurologie, c'est quand même plus, plus difficile d'utiliser ce genre de terme. Un de nos confrères nous dit qu'il est confronté à des problèmes d'observance dans les techniques de rééducation. Ouais. Ça, c'est fondamental. L'observance est très mauvaise. Mais vous savez que l'observance médicamenteuse dans les maladies chroniques, elle n'est pas terrible non plus. Hein. Mm-hmm. Dans la polyarthrite, c'est 50% le traitement pharmacologique. Le gros problème, c'est que si on n'a pas un biofeedback, comme je disais tout à l'heure, c'est un terme anglais, mais bon, je n'ai pas trouvé d'autre chose en français, mais un retour positif, on va voilà, dire. C'est très bien, voilà. Eh bien, ça va être compliqué. Et ce retour positif, comme je l'ai dit, ce n'est pas deux heures après. Donc, c'est sûr qu'il y a un problème d'observance. Et donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Eh bien, c'est ce qu'on fait beaucoup chez les enfants. Vous imaginez chez les enfants comment on va faire pour l'observance? Eh bien, ils sont observants, les enfants. Pourquoi? Parce qu'on fait ça dans un environnement ludique, par exemple. C'est pas parce que vous leur faites peur. Non, dans un environnement ludique. Et donc, aujourd'hui, il faut... on utilise les nouvelles technologies, on utilise, ce genre d'instruments pour essayer d'améliorer. Une dernière question. Un de nos confrères nous interpelle sur le bien-être du patient. On ne parle jamais de recherche du bien-être du patient. C'est un gros mot dans les cabinets de médecins. Non, c'est pas ça, c'est que le terme bien-être, c'est pas un terme médical. Nous, on dit c'est qualité de vie, c'est handicap, vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Mais je vois ce que veut dire le patient. Ouais. L'objectif, bien évidemment, c'est d'améliorer la qualité de vie du patient. On peut dire bien-être. Alors, faut être prudent, parce que dans la notion de bien-être, il y a la médecine et puis il y a tout le reste. Hein. C'est-à-dire le health des anglo-saxons, c'est pas que la médecine, c'est aussi tout le reste. Est-ce que je peux aller, j'ai l'opportunité d'aller jouer au tennis quand je veux, oui. Merci François, vous êtes patient comme d'habitude. Je vais vous demander malheureusement de conclure. S'il fallait résumer tout ce qu'on vient de dire, quels sont les deux ou trois conseils que vous pouvez donner aux médecins qui est généralistes qui nous regardent pour faire une prescription de rééducation adaptée? Je pense que la première chose, c'est qu'il faut se rapprocher, mais d'un point de vue humain, des structures de rééducation. Il y en a maintenant dans tous les départements. Et donc, il faut aller les visiter, il faut les voir, il faut les connaître. Et il faut se connaître. Il faut se connaître. La deuxième chose, c'est qu'il faut essayer, je pense qu'il faut également essayer de bien connaître dans son environnement les rééducateurs, qui sont essentiellement des kinésithérapeutes, voir monter des soirées communes, etc., pour se connaître et savoir qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, hein, comme j'ai dit, hein, faire attention au FEC dans tout ce qui est non pharmaco. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, je dirais aux jeunes étudiants, en médecine, osez la MPR, et en rééducation, également la même chose, notamment avec l'universitarisation actuelle de ces professions paramédicales qui vont offrir, je pense, dans les années à venir, des perspectives professionnelles beaucoup plus, encore plus intéressantes qu'aujourd'hui, du libéral pur jusqu'à l'hospitalier, voire l'universitaire. Merci François. Vous savez, il y a une chose qui ne trompe pas dans ces émissions, pour la satisfaction de ceux qui les regardent, c'est ma boîte mail après diffusion. Et je suis encore persuadé qu'encore une fois, les messages de satisfaction vont être nombreux. Alors, ce JDF est terminé, mais on ne se quitte pas. La soirée se poursuit avec un débat prometteur, avec les représentants des professions de santé auxquels vous allez être confrontés, François Renoux. Le générique, et on se retrouve tout de suite.